jusqu'à présent, la pierre juge pas venir. C'est comme si j'étais toujours en grève. Mais elle me parle avec moi-même, en pierre juge. Mando, est-ce que y a quitté le monde qui est en prison au monde? Il a répondu, il dit que mettre la vie par importante. Est-ce que tu as vu le travail là? Côté que pas de sécurité? Côté que là, on va regarder que, et même venir ou pas venir, parce que on va besoin de barricader ni pour venir là, ni pour sortir ou pas de venir côté pour passer. Il m'a dit, côté à passer pour venir travailler, et qui est-ce qui a répondu à la sécurité? Parce que pas de sécurité sur le plan. Est-ce que tu as bail? Et importance avec la vie monde avec un qui est en prison qui vit par eux et nous comprenons c'est l'État qui prend responsabilité pour lui mettre sécurité dans la zone et barricade ça qui là pour lever ou bien pour lever le tribunal à côté de là pour ouvrir l'autre côté pour juger qu'il y a un travail. Moi toujours dis la justice haïtienne est prise en otage, la justice haïtienne est décriée, la justice haïtienne n'est pas indépendante, la justice haïtienne avant nos plus offrants même gens y a vendre patate. Il y a des gens qui viennent dans le marché. Il y a des gens qui ne doivent pas rester dans la prison toujours. Qui ne doivent pas commettre aucune infraction. Mais il y a des gens qui commettent des infractions mineures. Peut-être que ça commet là, on a passé un mois, deux mois dans la prison. Mais je ne veux dire qu'il y a des années dans la prison. Ça, c'est un qui grave. Parfois, nous-mêmes dans la prison, nous crions comme humains. Et moi-même, ça fait que je ne peux pas vivre. Je ne peux pas dormir le soir. Pas pile. Pas dormir le soir. Parce que les m'a regardé des jeunes garçons, des jeunes femmes qui sont en prison, parfois qui ne commettent aucune infraction, parfois qui commettent des infractions mineures, et moi j'ai plusieurs années en prison. Et je viens sentir, nous en côté, nous venons paraître. Nous impuissants. Parce que pour faire, pour être puissant comme avocat, il faut que la justice soit indépendante, il faut que la justice soit forte, il faut que la justice soit fonctionnelle. Mais si ça n'est pas fonctionnel, pour faire des actions pour nous venir dans le tribunal, pour demander des libérer. Nous sentons impuissants parfois, ça qu'on ne rend pas qu'à dormir le soir. Parfois nous-mêmes crier. Nous avons demandé avec l'autorité judiciaire, le CSPJ, pour penser, et tout le monde qui est dans cette chaîne de justice, pour penser l'État même, pour penser, pour retirer la justice et le tribunal là. Parce qu'on a toujours dit la justice élève une nation. Si effectivement la justice élève une nation, la justice qui est à Haïti là, nous comprenons bien. Nous comprenons bien pour qui ça. Pays à Jandia. C'est parce que la justice a compris, l'idée décrié, n'a pas de responsabilité au moins pour le pays à Taralon souffre, pour la justice à Taralon souffre, parce que je ne suis pas capable encore, le monde qui n'a pas capable encore, c'est avec tristesse, haine et tristesse, et un peu de tristesse, que n'a parlé de ça. Et femme clair avec vous, chaque jour, on a une pénitentiaire nationale, chaque jour, on a une prison, c'est le droit de l'homme, chaque jour, on a une dans notre prison, parce que tellement, et il y a mon endroit, si c'est lui qui dédouille, il y a deux mondes, il y a 34 mondes. Nous avons une promiscuité, une saleté. Dans la grave, si la gobaye qui fait, il tape triste. Il tape triste, il tape triste.